Salut à tous, c'est Mister Freeze et on se retrouve pour la dernière vidéo de Golden Sun 2. Enfin, normalement, hein. Je suis passé un peu chez le forgeron, voilà, bon, j'ai mis l'homme terrible à Garrett, ça augmente l'attaque. Draco bouclier, ça augmente la résistance à tous les éléments. Et là, la HTLR, voilà. C'est comme ça que j'ai utilisé les 3 matériaux que j'ai eu au temple d'Animos. Donc, en parlant du temple d'Animos, là vous allez voir la différence. Hein. Les ennemis sont minables ici. Hein. Comparé au temple d'Animos. Donc, maintenant qu'on a l'étoile de Mars, voilà. Tac, on peut rentrer dans ces 4 salles. Avant, on pouvait pas emmener ici, ça servait à rien. C'est pour ça que j'ai fait le truc en 2 fois. Bah, le donjon en 2 fois. Voilà. Donc là, les dragons. Le donjon en 2 fois parce que bon, première partie pour le avoir l'étoile de Mars, la deuxième pour faire les ces 4 trucs là. Donc là on va voir des énigmes de des 4 éléments en fait, donc un chemin par élément hein. Et des énigmes pas compliquées, franchement assez simple même, mais c'est bien fun de retrouver les 4 éléments comme ça. Alors c'est assez sympa parce que pour le phare de Mars, on n'a pas que 2 énigmes de feu, donc bon, ils ont fait exprès parce que c'est la fin du jeu, bien sûr. Mais... Donc là, on obtient la boule à la store, qui augmente rien, 40 en ennemis. J'utilise jamais les objets, hein. Je sais même pas si je voulais déjà montrer une fois dans le jeu qu'on va en... En fait, on va dans objet, en fait, pendant le combat. Et on... Bah, je vais vous montrer, tout simplement, voilà. Voilà, hop, on peut rentrer en ligne. Alors par contre quand on fait ça, l'objet a des chances de se casser et après faut le réparer chez un marchand d'armes ou d'armure s'il se casse. Bon, s'il se casse, c'est juste qu'on peut plus utiliser sa capacité hein. Mais il est toujours aussi enfin il fait toujours les augmentations de stats et tout quoi. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien, j'ai un peu du mal à régler le son. C'est l'inconvénient du micro casque. Voilà. Alors là, on va commencer par faire exploser ici. J'ai déjà enregistré 1 fois cette vidéo. Mais une énigme. Enfin, j'avais perdu un petit peu de temps, on va dire. Et j'ai préféré faire une vidéo parfaite, hein, vu que c'est la dernière. Enfin, parfaite. Pas parfaite, mais. Où je perds pas trop de temps et tout. Une bonne vidéo quoi. Voilà, donc là on allume une espèce de cracheur de feu là. Merde. Mais qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Pourquoi je suis embrasé? C'est sûr, embraser un mur ça va trop bien marcher. Alors. Oui, des fois vous entendez plus ou moins ma voix parce que j'essaie de bien régler le micro au fur et à mesure. Là je pense que vous m'entendez assez bien quand même. Alors. Donc là ça c'est... Il y a des chemins qui servent à rien hein, si je prends le bloqué. Ça vous avez sûrement remarqué de toute façon. Voilà. Donc là cette fois faut faire embraser. Et bam. Et là on ouvre un chemin, enfin une fissure, on va créer un chemin avec et on va exploser. Et c'est là qu'on va... C'est le truc. Donc par contre après chacun des 4 chemins là, je ferai fuir à chaque fois parce que c'est plus rapide de faire fuir et de se retrouver au début du donjon et de revenir dans la salle des 4 chemins. Plutôt que de se retaper tout le chemin en arrière. Donc, vu que c'est plus rapide, je vais faire comme ça. Quoi. Bon, vous avez dit que les combats sont simples, hein. Vous allez voir, je vais pas vous mentir. De toute façon, avec l'équipement qu'on a, c'est pas le meilleur équipement du jeu, hein, pas du tout. J'ai les 3 meilleures armes, j'ai tous les jeans, bon. Niveau des armures et tout, j'ai pas les meilleures, mais bon, il faut pas mal de matériaux à forger et tout, donc...
Donc bah je vais pas faire. Parce qu'il faut savoir que les. Genre les Auréal Con, matière obscure, etc. On peut en trouver à volonté hein, des matières de Forge Lab comme ça. C'est juste qu'il faut trouver les. Sur quel ennemi les avoir en fait. Et ils sont tous dans la grotte insulaire, quoi, les. Ceux qui donnent les Auréal Con et les matières obscures. Il me semble que ceux qui donnent les Auréal Con c'est les gros phoenix là. Je suis pas sûr. Je sais qu'Auréal Con et mes matières obscures on les a là-dedans. Enfin voilà. Je parle pour rien dire mais c'est pas grave. Attendez. Faut aller où là. Je parle et je vois même pas ce que je fais, je fais tout par réflexe en fait. Et... Je me tombe tout seul. Oui c'est ça. Non c'est pas ça. Bah non. Ah bah je suis con. Boulet. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ta quoi? Qu'est-ce que j'ai branlé là, ça va. What the fuck? Oui, c'est ça. Attendez. Je suis paumé là. Où suis-je là? Ah oui, d'accord. Oulala. Attendez, je sais pas ce que j'ai là d'un coup, je. Attendez, parce qu'il fallait vraiment que je pousse ça. Ah oui, c'est ça. Il fallait pas se faire là. Là, il va me paumer dans un truc minuscule, c'est abusé. Pourtant, c'est très simple. Hein, mais... Je sais pas. Je me suis dit, attendez, j'aurais pas dû pousser le truc. J'étais persuadé qu'il fallait pas le pousser, mais en fait. J'étais en train de paniquer tout seul. Je me suis dit attendez mais il faut garder le tuyau là. En fait non hein, le tuyau c'est juste voilà. Ça sert à rien. Alors. Et là on fait embraser. Pardon. Et on illumine le premier des 4 signes. Bon y a pas d'ordre, hein, on peut lui faire marrer ce qu'on veut. Et là je vais fuir parce que c'est plus rapide que de retourner en arrière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors. Là on remonte. Ah vous voyez c'est beaucoup plus rapide. Le deuxième. Oh, je dis le deuxième mais comme je l'ai dit il n'y a pas d'ordre. Hein. Je fais ça dans l'ordre que j'ai envie. Hein. Je fais les plus près en premier c'est tout. Celui-là c'est celui de l'eau, il va avoir des énigmes avec de la glace. Il est encore plus simple que le premier. Bon, là il n'y a rien sur les côtés, il n'y a pas de coffre. Je vous le garantis. Garanti par Mr. Freeze. Un Mr. Freeze au coca offert. Je dis de la merde. Alors là il faut aller à gauche, je me trompe pas. C'est ça. En fait là vous voyez il crache du sable le truc. On va falloir relier les trucs là. Merde j'ai fait une connerie. Enfin relier les trucs de manière à ce que ça crée un chemin qui puisse... Enfin, on va rejoindre les tuyaux quoi pour que le feu arrive à la espèce de cracheur de feu. Quoi. Comme ça il crachera du feu et non du sable.
fin de la poussière. Bon, ça va être une vidéo... Merde, mais quel con, mec. Pardon. Oui, ça va être une vidéo assez longue. Putain, j'ai oublié de jouer le truc, quoi. Je parle et je fais n'importe quoi. C'est une vidéo assez longue, ouais, parce que, bon, déjà, il y a quelques énigmes. Bon, ça... Ça va pas prendre plus de 20 minutes, je pense pas. Si je continue à faire le con comme ça. Mais après, bah, il va y avoir un dialogue hein, assez long, parce que c'est la fin du jeu. Plus le boss final, plus bah, la fin du jeu. Donc ça va prendre un peu de temps quand même. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Attendez, la première fois que j'ai fait la vidéo, je l'ai réussi. Nickel le truc. Vraiment n'importe quoi. Attendez, faut faire comment. J'avais fait au pif la première fois, j'étais bien arrivé quoi. Est-ce que si je fais ça. Non, ça change rien ça. Putain, on laisse comme ça. Oui, c'est ça. Alors d'abord ça, comme ça ça fait pas fondre. Et ensuite ça. En fait c'est simple hein, mais bon. Faut réfléchir un tout petit peu quoi. C'est pas mon truc. Voilà. Là, on est obligé de tomber. Combat inutile juste pour me faire perdre du temps. Vu en combien de temps je l'ai fait, franchement. Pas bon. Voilà. Voilà, on se met là. On attend qu'il arrive. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Non, on retombe encore. On va aller là. Il n'y avait rien à droite, hein, c'était un coup de sac. Ils mettent plein de coups de sac comme ça hein, pour nous emmerder. Voilà, donc l'eau c'est fait, on a fait trouver l'eau, l'air et la terre. On va faire fuir, ce sera plus rapide. Je vous le garantis, hein, c'est beaucoup plus rapide de faire ça que de faire tout le chemin en arrière. Enfin, dans l'autre sens. C'est vrai que la synergie fuir, c'est vraiment utile. Hein. Il y a beaucoup de RPG où il n'y a pas ça. C'est assez chiant. Enfin, surtout des vieux RPG où on doit s'en taper tout en arrière. En général, il se passe une scène et puis on se retrouve dehors automatiquement dans l'RPG. Voilà. L'initiative je fuis, hein. De toute façon il me donne pas assez d'expérience. Mais bon il sert à rien. Je vais faire celui de la terre, donc représenté par un humain. Le roi du monde. Titanic. Alors. Voilà. J'estime la vidéo. Non, je pense qu'elle fera moins de 40 minutes hein, quand même. De toute façon je sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous la voyez d'avance le titre de la vidéo. Alors, technique, je me rappelle pas du tout, parce que la première fois que j'ai enregistré la vidéo, je l'ai pas faite. Donc, bah... Souhaitez-moi bonne chance. Un peu tard, mais... D'accord. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc de salopin? Merde. Ah le truc de fou. Bon. Ok. Ouais. Non, fallait pas faire ça. Là on va mettre...
téléporter en raccourci. Là c'est tout bon hein, ce qu'il faut faire. Là t'as un peu du jeu, t'as un souci. J'ai trop mis les trous là. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà poussé. Je me demande si ce que ça fait si on tombe là, où est-ce qu'on se retrouve en fait. Je pense qu'on se retrouve dans... derrière la statue, l'autre statue qui était ouverte là, où est-ce que je veux dire. Passer. Attention. C'est un truc de salopard. C'est pas mal. Franchement, ils ont inventé beaucoup d'énigmes bien pensées avec les différents éléments du jeu. J'avoue que c'est pas mal. Alors il est possible que j'oublie des objets. Bon bah les deux premiers chemins je les ai pas oubliés là, je sais pas. Écoutez, on va faire en arrière pour le fun cette fois. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça fait si on va par là? Ouais c'est bien ce qu'on pensait. Les armes spéciales. J'ai le statut. Ok. Attendez, on va. Il y a peut-être moyen avec vision. Je me demande, hein, mais si c'est ça. Ouais, il y a rien derrière. Alors... attendez, je sais pas si avec vision on peut voir un peu plus. Là, on le voit quand on fait ça. C'est trop tard. On va vérifier le dernier. Ouais. Non, non, c'était bien les. J'ai rien loupé en fait. Bon, bah là, ça sert à rien de faire pire, hein. Autant faire ça. Ça va plus vite. Ah, ça nous fait des petits dégâts les cracheurs de feu quand même. Attention. Voilà. Et le dernier. Ouais, je me demande si je vais pas faire deux vidéos distinctes. Voilà les oiseaux. Ouais, ouais, je vais faire deux vidéos. En fait. Je pourrais faire 60 vidéos au film, mais je crois que je vais en faire 61. Là, ce sera une bonne conclusion. Ouais, je vais faire comme ça. Ça, j'aurai le temps de me préparer et tout psychologiquement. Alors là faut absolument prendre celui de gauche, celui de droite il sert à rien, celui de droite c'est si on tombe il sert à revenir ici en fait. Donc on va mettre cyclone en raccourci. Et ensuite bon là il y a un petit truc, ça sert à rien à droite hein, c'est pour absolument prendre celui de gauche. Si vous prenez celui de droite, bah, vous tombez et vous revenez au début. Voilà, faut prendre celui-là. Faire ça. Tomber. Remonter par celui-là. Et
prendre l'autre. Au centre, il y a rien. C'est juste pour le fun. Ils aiment bien faire les trucs symétriques dans le jeu. Je sais pas pourquoi. Les gros maniaques. Voilà. Maintenant. Ouch. Comment je passe ça? Je vais aller là. Ouais, pas le fait. Donc là, un cercle. Ouais, nous prendre pour des attardés, ça sert à rien. Ça suffit pas. Histoire d'utiliser vision dans le truc. Donc, vision. Et Suko. Je crois qu'on a jamais vu un truc comme ça. Qui utilisait à la fois vision et Suko. J'ai déjà eu vision et autre chose, il me semble, mais pas comme ça. Alors, on va voir ce que ça fait. J'ai peur d'apparaître devant le truc de flamme. Ah non, c'est bon. Bah si. Ah oui, d'accord. Voilà, faut pas exprès de se le prendre. Voilà. On remonte. Alors là, l'énigme m'a bien trouvé. Pas mal hein. Et j'ai eu trop peur. C'est bâtard ça aussi. Salaud. Ah, c'est bien trouvé ça. Et le quatrième et dernier. Signe, celui de l'air. Présenté par Nando, voilà. Une jolie flamme rose. Maintenant, on va faire cuire. Ouais, en fait, ouais. Je crois que je vais arrêter là. Donc en fait, là, ça sera la prochaine vidéo, la dernière. Je crois qu'en plus, au début, je vous ai dit... c'est parti pour la dernière vidéo, mais en fait, ça sera l'avant-dernière. Ouais, mais c'est mieux découper comme ça, en fait. Là, une vidéo pour les 4 chemins, puis une vidéo pour les... pour les 4 fromages, les 4 saisons. De la merde, hein, je cherche pas à comprendre. Voilà. Et là. Tam. Dernier sac de téléportation. Voilà. Notre destin nous attend. Et ce sera pour la prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo de Golden Sun 2. Allez, reposez-vous bien. Salut, à plus.